Voilà. Voilà. Comment vous allez ce week-end? J'espère que vous allez bien. Bonjour à tout le monde. Et que le Saint-Esprit soit avec vous. Vous savez, les gens disent que, oh, pourtant tu pries Dieu, pourquoi tu dis les mauvaises paroles? Vraiment, mes frères et sœurs, excusez-moi. C'est pas qu'on veut parler mal. On veut parler mal aux gens. Non. C'est pas ça, mais il y a un problème entre nous, les Gabonais. Il y a un grand problème entre nous, les Gabonais. Il y a vraiment un problème. Il y a un grand problème entre nous, que nous ne cherchons pas à savoir qu'est-ce qui se passe entre nous les Gabonais. On ne cherche pas à savoir ça. On prend seulement la bouche qu'on écoute par une personne, on vient juger la personne par rapport à ça. Je ne suis pas venu aux États-Unis pour faire les vidéos, non. C'est quelque chose qui m'est arrivé comme ça que, en tant que je suis mère, je dois, ma voix peut compter pour dire la situation qui se passe au Gabon. C'est comme le pays que je suis là. Tout le monde n'est pas seulement dans la politique. Mais on vote un président qu'on voit qu'il crée les emplois. Il y a l'avenir. On ne va pas voter un président qui veut s'enrichir avec nos noms. On ne va pas voter un président qui est là pour voler notre richesse et amener ça ailleurs. Toujours dans la vie, il faut être patiente. Il faut être patient. C'est pas parce qu'Olivier est venu aujourd'hui, on trouve qu'il est mauvais. Si on trouve dans les années à venir qu'il n'est pas bien, on peut maintenant comprendre. On peut déjà comprendre. Mais le problème du Gabon, c'est pas Olivier. Le problème du Gabon, c'est depuis. Et c'est devenu pire depuis qu'Ali Bongo est venu au pouvoir. Parce que si on votait une vote, qu'un président peut, il peut être élu deux fois. La troisième fois, non. Il quitte, comme les Nigériens, comme le Ghana. Mais au Gabon, c'est pas ça. Quand quelqu'un prend le pouvoir, il veut faire 40 ans. Même si c'est que les Gabonais complaignent, ils disent qu'on ne veut pas, on ne veut pas. Mais il va rester là. Et qu'est-ce qui fait ça encore? Parce que les Gabonais ne sont pas solidaires. Dès qu'on va préparer ça, d'autres vont partir parce qu'ils vont voir qu'ils n'ont plus d'argent. Ils vont continuer à supporter celui qui leur donne l'argent. C'est ça. C'est ça le Gabon. C'est ça qui fait que le Gabon ne peut pas avancer. Bonjour, Marie-Sylvie. Bonjour, ma soeur. Donc, c'est ça qui fait que le Gabon ne peut pas avancer. Parce que dans le pays que je suis là, le président a droit d'être élu deux fois. Si le premier mandat ne marche pas, ils peuvent lui enlever quand ils vont aller aux élections. Il y a d'autres qui font deux mandats, il y a d'autres qui font un mandat. Obama a fait deux mandats, parce que peut-être les gens l'aimaient. Lui qui est revenu là, Trump, il a fait un mandat, on lui a enlevé, Joe Biden a pris. Il est revenu encore se présenter avec la femme. C'est ça. Mais tout le monde va voter. Mais le problème de l'Afrique centrale est grave. Obiang Mbazo a fait combien d'années? Vous voyez Paul Biya, qu'est-ce que Paul Biya peut encore penser? Rien. Leurs hommes sont partout. Ici aux États, les Camerounais sont partout. Les Nigériens sont partout. Les Gabonais aussi, on commence à fuir. Parce que pour agrandir un pays, ce n'est pas dit que tel est Camerounais, tel est Nigérien. Non, nous tous, nous sommes ici aux États-Unis. Quand on regarde, tu es Gabonais. Mais quand tu prends la nationalité, tu prends la nationalité en tant que Gabonaise.
en tant qu'Américain, mais tu as toujours que tu es toujours Gabonais. Et c'est ça qui fait que leur pays devient la puissance du monde. Ils prennent les Indiens, ils prennent les Chinois, ils prennent tout le monde partout. Mais nous, au Gabon, on n'est pas solidaires. C'est la haine. C'est la haine. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue, où j'ai commencé à avoir les problèmes, où j'ai perdu tout. Un frère en France, j'ai déjà raconté cette histoire-là, il s'appelle Jason Lowe. Il était là-bas à Houston. C'est par rapport à mes vidéos, on a fait la connaissance. Il me dit, non, mais je viens toujours là-bas, je connais là-bas, moi, j'étais là, je connais, machin, machin. J'ai dit, ok. Un jour comme ça, Jason Lowe m'appelle. Il me dit, ma soeur, il y a ma copine là, une amie là, elle a eu le visa depuis, mais elle ne gagne pas quelqu'un pour la recevoir aux États-Unis. Si tu peux m'aider, tu peux la prendre chez toi, elle veut venir en vacances. Je n'ai même pas réfléchi par rapport à les relations que j'avais avec le gars. On s'entendait bien. On s'amusait même au Facebook et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai dit ok. Il m'a donné l'information de la fille et tout, et tout. La fille m'a appelé. Il m'a dit j'arrive tel jour. Je suis allé la prendre à l'aéroport. Quelqu'un que je ne connais pas, elle est de Bitam. Elle s'appelle Marie-Lise. Il paraît qu'elle travaillait au lycée Léon Bas. D'après l'ami, m'a dit qu'elle était barman. On l'a pris au Léon, au lycée Léon Bas. C'est là-bas qu'elle travaillait. Si c'est quoi, 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 quoi. Moi aussi, bête que j'étais, j'ai ouvert la porte. Elle est venue, elle a fait les deux semaines qu'elle est venue. Elle est retournée. Elle était bien. Elle parlait du travail et tout, et tout, et tout. Elle est revenue pour le deuxième voyage. Je suis allé la prendre. C'est moi qui partais la prendre. Je partais la déposer avec ma voiture. Elle m'a vu dans une grande maison. Elle est venue. Moi, j'ai dit que, ah, une soeur est venue. Je sortais le matin à 5 heures pour aller travailler. Je viens vers les 15 heures. Je la laissais la maison ouverte. Les portes ici aux États-Unis, sauf toi-même, tu mets le cadenas. Il n'y avait pas le cadenas à ma porte. Donc la fille-là, elle a amené une valise de voodoo. Je ne la connais pas. Elle mettait la poudre des morts dans toute ma maison. J'étais devenu bizarre. Quand je viens au travail, je la trouve triste. Elle a commencé. L'homme qui est venu là, est-ce qu'il est marié? L'homme qui est venu là, à gauche là, il est marié. Il est... Je dis, ah, moi je ne connais pas les gens là, c'est des blancs. Oh, on doit quitter ici, on doit aller là où on voit les gens. Parce que les fétiches qu'elle a amenés, il fallait qu'elle trouve un homme aussitôt. Moi ne sachant pas. Et je viens au travail, les yeux sont rouges. Je dis, c'est comment? Oh, depuis que je suis venu une semaine déjà, je ne fais que dormir. Toi, tu sors. Je dis, mais moi, ça, tu ne vois pas que je sors le matin. Tu vas venir travailler ici. Tu ne parles pas anglais. Tu n'as pas les papiers. C'est moi qui dois te donner les papiers. Et moi-même, je travaille. Si deux personnes travaillent avec mes papiers, mon income, je vais payer le gouvernement. Attends, je suis en train de chercher. D'abord, je vais chercher l'homme pour faire le mariage. Tout ça là. Était les yeux rouges. Ah, moi, je dis, moi, je ne pars pas dans les bois de nuit, je ne pars pas, je suis vieille. Moi, je dors. Je pars au travail. Elle a amené des bracelets. Des petits bracelets. Elle m'a donné, si c'est 5, elle a donné à ma fille. Ma fille, comme elle est jeune, elle a vu les petits bracelets, ont les bijoux. Ma fille a commencé à porter ça. Après que ma fille a porté ça, ma fille, après que la fille est venue, ma fille a eu l'accident grave. De voiture, je ne sais pas. Moi-même, le travail, ça n'allait pas. Je suis parti un jour, j'ai dit, je ne travaille plus. Je suis quitté au travail. Les bracelets, là, moi, je ne mettais pas ça trop. Mais elle me forçait, consommer, maman, mets les bracelets. Pourquoi tu ne mets pas les bracelets? Elle-même, elle me portait les bracelets. Elle-même, elle me portait les bracelets. Donc, les bracelets du pied, là, elle me mettait ça. Je ne savais pas. Thank you. J'ai commencé à avoir la malchance. J'ai commencé à avoir les problèmes. Jusqu'à ça arriver un jour. Je n'arrivais même plus. J'ai plus de travail, aller à un autre travail. Je ne sais pas ce qui est arrivé. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu ma maison. Je me suis retrouvé. Je ne savais plus. Donc la fille avait amené les sacs de valise qu'on l'avait fait. Mais malheureusement, l'homme... L'homme-là l'a même envoyé $50 avec mon nom. Elle a même compris les $50 là
Il pense que moi, je suis prêt à 50 dollars. Je dis, ah, quelqu'un qui envoie 50 dollars de l'Afrique pour remercier, quelqu'un m'a jamais envoyé ça. Il dit que, quelqu'un m'a envoyé 50 dollars. C'est le frère de l'homme qui m'a fait les médicaments là, me laver le corps. Elle a parlé de laver le corps, alors que c'était le voodoo. Donc quand elle vient là, le premier homme qu'elle a trouvé, les bracelets là, tout le monde qui va porter les bracelets sera anéanti. Sera anéanti, elle va prendre la puissance de la personne. Et la personne va rester empty. Elle ne s'est pas arrêtée là. Et un jour, comme moi, je ne sortais pas, je vais dans un coin, là où il y a les blancs, côté à côté là, dans une résidence. Elle a dit non. Elle a même dit à l'homme qu'elle habite dans le banlieue. Moi, je n'habite pas dans les banlieues. J'habite à Kenesso. Elle a pris une valise, elle est partie chez l'autre copine là, qui l'a amenée pour aller en boîte. Mon téléphone que j'ai payé. J'ai pris le téléphone là, iPhone. C'était iPhone 12. J'ai pris le iPhone, je l'ai donné. Comme tu n'as pas encore le téléphone. Elle a pris le téléphone, elle est partie avec le téléphone, elle était là-bas, elle était là-bas, elle était là-bas. Un jour, elle est revenue avec un homme. Je ne sais pas ce qu'elle est venue prendre. L'homme était, si c'est quoi, un Togolais, je ne sais pas ce qu'il était. Ils sont venus, là, il s'est assis au téléphone. J'ai dit, oh, c'est qui ça là? Oh, l'homme là, machin, elle est venue chercher les médicaments pour mettre chez l'homme là. Donc l'homme là, tout l'argent qu'il travaille, il lui donne. Elle ne s'est pas arrêtée, là, elle est partie. Le deuxième voyage, elle est venue faire semblant de remettre le téléphone parce qu'elle devait déjà payer. Elle était avec la même copine là, Aminata. Ils sont partis. Elle a pris les valises, elle est partie. Elle n'a même pas dit au revoir, elle est partie, mais elle a fait semblant de donner le téléphone à l'enfant de mon fils, Zeri. Nala, on l'appelle Zeri. Get the phone, play with the phone. I'm going. Elle est partie. Les problèmes que je suis resté avec, je ne savais pas là où était mon esprit. Je ne savais pas ce que je faisais. J'étais devenu comme une folle dans les médicaments qu'elle a amenés. Demandez l'histoire à Jason Lowe, il est en France. C'est un gars de William, je ne sais pas la fille. Elle est de Vitam, Marie-Louise. Elle a amené. Donc tout le monde, il y avait une fille qui a à Washington. Qu'elle devait amener l'enfant. La fille, elle était prête de venir. La fille lui a dit. Donc la fille savait. Elle lui a demandé que, oh, je suis prête. L'enfant que tu as dit, donne-moi l'adresse de l'enfant, je vais aller prendre l'enfant. La fille a dit, mon enfant est déjà ici. C'était pour éviter ça. Donc elle connaissait que la fille était fétiche. Ils ne se sont pas arrêtés là. Sa copine, là où elle habitait au Gabon, elle est en France. Ce n'est pas Madame Gembi se fâche avec moi. Que j'ai dit ce qui vit avec les vieux blancs. Le jour même quand elle m'avait demandé ça, j'étais sous, je ne savais pas ce que je racontais. J'ai parlé, j'ai fait une vidéo, elle est partie voir ma soeur, ma petite soeur, qui en France, elle vit avec un blanc. Que dis à ta grande soeur que comment elle peut dépenser l'argent pour un homme. Quel homme? Un jeune, Jason Lowe. Ma petite soeur est venue au téléphone. Elle me dit, Béatrice, quelle est l'affaire que toi tu donnes l'argent aux hommes? Que toi tu payes Jason Lowe? J'ai dit, moi. Il me dit, oui. La fille qui vit, je me suis renseigné avec. Parce que Jason Lowe habitait chez la fille, elle vit avec un vieux blanc. Ils ont adopté, si c'est un enfant, si c'est quoi. Jason Lowe, j'ai appelé Jason Lowe, je l'ai raconté, il a appelé la fille. Comment tu peux raconter ça? Elle m'a dit, la maman de Jason Lowe l'a dit que moi-même je vais sortir avec Jason Lowe. Je dis, comment la fait là? Tu me demandes des amis. Moi, toujours, mes amis, c'est les garçons. Moi, j'aime les amis des garçons parce que les filles, c'est toujours la jalousie, les problèmes. Un homme, tu t'entends avec lui, vous entendez. Jason Lowe, pour moi, c'était un petit frère. Je lui ai même dit ça. Ah, que tu l'as fait ça maintenant, ma soeur m'appelle en France. La fille qui vit avec le blanc, j'ai fait la bidon. J'ai dit, ceux qui sortent même avec les vieux blancs en France. Madame Gembi a pris ça et je m'adressais à elle. Je ne m'adressais pas à elle. C'était de cette fille-là que je m'adressais. Ceux qui sortent avec les vieux blancs, tu ne me connais pas. Mais tu viens me parler. Que moi, je donne l'argent à Jason Lowe. Je ne sais pas si Jason Lowe peut dire un jour que je lui ai donné l'argent. Que ta fille dépense l'argent pour Jason Lowe. C'est Jason Lowe lui-même qui lui dit ça. Je dis, ah, j'ai raconté l'histoire à ma fille. Je dis, non, Jason Lowe a envoyé une fille ici qui a amené les fétiches. Jusqu'aujourd'hui, je me retrouvais dans les problèmes. J'ai perdu ma maison. J'ai perdu tout. J'étais homeless à cause de cette fille-là. Ma fille. Les bracelets qu'elle a amenés là, qu'on porte au pied là. C'est pour ça que je donne les conseils. Ne prenez pas quelqu'un que vous ne connaissez pas. Marie-Louise. Elle est de Bitam. Elle travaille au lycée Lomba.
féticheuse comme personne. C'est d'abord une fille qui a fait l'enfant avec un vieux. C'est la femme du vieux là qui garde l'enfant. L'enfant est même en France. J'ai parlé avec cette fille là. Tu vois une femme de 7 ans, elle a une fille et un garçon de 30 ans. Il paraît que l'enfant est voleur au Gabon. Elle ne s'occupe pas, mais elle ne parle pas de l'enfant là. Elle dit qu'elle a fait l'enfant là à 10 ans. Il y a un autre enfant qu'elle a fait avec quelqu'un. C'est l'homme là qui garde l'enfant là. L'homme était trop gentil avec sa femme. Elle a commencé à parler, tout ce qu'elle m'a parlé de l'homme là, de la femme de l'homme là, comment la femme de l'homme là a fait, tout. J'ai ça là. Je ne vais pas parler de ça parce que ce n'est pas mon business. C'est pour vous dire que vous, qui êtes là-bas, ne mettez pas une étrangère dans votre maison. S'il vous plaît. Parce que moi-même, ce que j'ai vécu avec Marie-Lise, c'est Dieu seulement. Ne prenez pas quelqu'un, vous mettez dans votre maison que vous ne connaissez pas, mes frères et sœurs. Ne prenez pas quelqu'un que vous ne connaissez pas. J'ai vu les valises. C'est là où la personne qu'elle avait donné mon numéro, j'ai eu à parler. Le secret a commencé à sortir. Que tu la vois avec une valise qui a le cadenas, c'est les fétiches qu'elle a amenés. C'est l'homme qui lui a fait les fétiches. Son frère, il vit en Guinée. Elle dit l'homme voulait sortir avec lui, alors que c'est elle qui était la mauvaise, la dangereuse. Tu vas venir. Parce que tu me vois habiter dans la maison. Tu me vois. Tu viens à Atlanta, tu ne te connais pas, Marie-Lise. Tu viens à Georgie, tu as mis les fétiches dans ma maison. La poudre de mort que tu as mis dans toute ma maison. Que tout machin que tu devais prendre. Je comprends pourquoi il y a certaines personnes qui ne veulent pas mettre les gens dans la maison. Mais j'étais naïve. J'espère que ça ne va plus se passer. Si ce n'est pas mon parent, elle a pris mon nom dans tout Atlanta. Là où elle est partie même habiter avec Aminata. Elle est partie là-bas. Détruit tout ce qu'elle a détruit, tout ce qu'elle a raconté. Aminata elle-même peut savoir qu'elle a amené les fétiches chez elle. Les choses ne marchaient plus. Tu vas perdre tout quand tu restes dans la vie de la femme. Même la voiture que tu roulais, tu ne vas plus rouler. Parce que la fille a amené les fétiches, elle est de malchance. Qui a dit que pour devenir riche, il faut aller féticher? Qui a dit que pour avoir la richesse, il faut aller féticher? Pourquoi vous ne croyez pas en Dieu? Pourquoi tu ne donnes pas ta vie en Jésus? Ça, c'est pour dire comment les Gabonais, on est méchants. J'ai une ma grande copine. On s'est connus depuis New York. Comment les Gabonais sont méchants. Elle est partie dans la fête d'un Gabonais, Papi, l'enfant de Madame Gimbi. Elle est assise à table. Elle dit, mais Béa n'est pas là. Il dit, oh, les Gabonais qui vont me vendre chez Nekwato. Tu veux que Béa va te faire la vidéo, tu t'entends avec Béa. Béa va sortir. La façon que Béa parle, Béa va te féticher. Les Gabonais comme moi. C'est pour ça dans la vie, ne sortez pas matin, midi, soir à parler le nom de quelqu'un. Parce que vous ne connaissez pas comment la personne est faite. J'ai plus le devant. J'ai mis Jésus en moi. C'est Jésus qui m'a sauvé. Parce que la fille était venue pour me faire du mal. Je ne la connais pas. Elle est ici à Atlanta. Il paraît que c'est le petit Lacruche qui va lui prendre dans sa maison pour aller garder ses enfants. Prenez! Elle a une valise qui a des fétiches. Comme elle a déjà fait peut-être un an ici. Peut-être les fétiches, là, ne marchent plus. C'est ça. C'est ça. Ma copine, les Gabonais ne connaissaient pas cette fille Équato là. C'est moi qui l'ai présentée aux Gabonais. Elle part à la fête de Papi. À la table, les gens vont la dire, oh, toi, tu t'attends avec Béa. Béa va te faire la vidéo. J'ai gardé ça. Je n'ai pas fait la vidéo à la personne. Mais j'ai su comment les Gabonais, on est méchants. C'est même pas une Camerounaise aussi. On l'a dit la même chose. Que Béa fait les vidéos. C'est ça qui est dans leur bouche. Nous, on ne s'entend pas avec elle. Je n'ai pas besoin de l'être humain. J'ai besoin de Jésus-Christ. Qui prie Dieu pour être mon fils. Parce que j'ai compris que la vraie famille, c'est Dieu. La vraie famille, c'est l'église. Les gens que tu croises à l'église. Parce qu'ils ont encore... D'autres ont le cœur humain. Mais d'autres vont encore à l'église avec les cris de sorcellerie. Mais je n'ai jamais fétiché dans ma vie. C'est un homme qui m'a amené. Il m'a pris dans le marché. Je ne connaissais pas les États-Unis. Il m'a amené. On a même parlé hier. J'étais content de lui appeler. C'est un homme qui m'a rendu service que je dois du bien. Le jour que je serai bien à l'aise, je vais lui acheter le billet. Il vient voir un peu George. Il est déjà venu une fois. C'est pour vous dire que Gabonais là, nous-mêmes, là, on est méchants. On est ivres. On ne s'aime pas. Pourquoi?
rien. Tu ne vas pas dire tu trouves une pauvre femme qui swaggling pour vivre. Tu vas amener les voodoo pour l'anéantir. Parce que je suis aux États-Unis. Tu connais comment je suis fait. Tu connais là où on a enterré mon placenta. Rien. Et tu veux venir me faire du mal. Tu ne connais même pas là où je suis né. Ma maman a pris ma grossesse à Kulamutu où mon papa était affecté. Vous ne connaissez même pas ma vie. Je suis fan de les sueurs de Kango, d'Andorf là. Je suis d'une grande famille. Et vous connaissez, d'une grande famille. Même mes soeurs, je les ai manqué de respect parce que je voulais la vérité. Je n'aime pas quand on est milieu mon père, je n'ai pas aimé. Mais ce sont ma famille. La famille Siminzoro, tout ça là, c'est ma famille. Parce que j'ai grandi avec eux. C'est ce que je connais comme la famille. Ok. L'autre sujet aujourd'hui, c'est Moulinda. Ceux qui viennent m'insulter, oh Moulinda, je dis peut-être parce que vous êtes en Afrique. Peut-être parce que vous êtes en Afrique. Que vous pensez que Moulinda est en train de dire, Moulinda lui-même avec la petite d'argent. Tu ne vas pas te réveiller matin. Regardez toutes les vidéos de Moulinda. Oligui, Oligui, Oligui. D'autres ont même dit qu'Oligui me paye pour faire les vidéos. J'ai vu que l'homme gabonais est bête. Qu'Oligui, ceux qui défendent Oligui, parce qu'Oligui leur donne l'argent. Il faut venir dire le nom. C'est ton papa, ta maman qu'Oligui donne l'argent. Vous avez bien insulté que je n'ai pas les dents, non? Vous n'avez pas insulté que je n'ai pas les dents? Quelqu'un qui supporte Oligui n'a pas les dents? Tu connaissais combien les dents, mes dents que je fabrique, combien ça fait? 36 000 $. 36 000 $. À peu près la valeur d'une Hyundai. Hyundai, use même. La voiture qu'on appelle Hyundai parce que c'est la voiture qui est la plus moins chère. Pas Hyundai même. Kia. La Kia, c'est la voiture la plus moins chère. Vous dites que je supporte Oligui. Moulinda ne peut pas venir amener la division, venir mettre les bêtises dans vos têtes et vous êtes là en train d'applaudir. Nous, les Gabonais, on a souffert. Les Gabonais ne pouvaient plus. On nous arrachait les terrains. Il n'y avait pas de justice. Il n'y avait rien. Je n'ai pas dit que Oligui est parfaitement bien. La patience paye. Oligui, ça fait seulement un an. Tu vas venir un homme, un papa comme Moulinda. Un papa, depuis qu'il est venu en France, les femmes sont en train de crier, il est incapable de garder ses enfants. Et lui, ça dit, il va devenir président. Président, pourquoi? Lui va dire qu'Oligui, avec son appétit d'argent, il connaît Oligui, ils ont élevé les moutons ensemble, ils ont appris ensemble. Il dit, ceux qui me connaissent, comment je sortais avec les femmes. Ça, c'est des histoires à dormir debout. Tu ne parles plus de rien, tu détestes Oligui. Ça ne va rien te donner. Tu insultes Oligui, l'Équateur. Ses parents viennent du Congo. Mais moi, depuis, je sais que ton père était congolais. Ce n'est pas parce que tu viens t'asseoir pour faire les vidéos, tu mets le fond de teint, tu mets le fond de teint pour noircir la barbe comme les Congolais, comme Fally et Poupa. Qui fait de toi que tu es un homme? Qui fait de toi que tu fais quelque chose? Il n'y a que les bêtes qui viennent sur ta part, les gens qui sont pauvres, les gens qui sont aigris. On a eu tous les activistes, ils observent. Alain Serge était ici, il a un certain âge. Toi, tu Moulinda, tu es plus grand qu'Alain Serge. Depuis que tu es parti en France, pourquoi tu es parti en France? Tu es parti en tant que vouloir devenir président ou tu es parti que tu étais journaliste, que Madungu assassiné dans ton enfant, dans les crimes rituels, que Madungu voulait t'assassiner, il t'a suivi jusqu'au Cameroun. Vous allez quand même permettre les Camerounais insulter Oligui. Vous avez déjà vu les Camerounais, bien qu'ils ont leur vieux président, Paul Biya, qui est déjà la tombe ouverte. Vous avez déjà vu, quelqu'un va venir insulter Paul Biya et les Camerounais ne vont pas vous adjumer. Vous allez voir, quelqu'un va venir insulter Alassane Ouattara, les Ivoiriens vont vous laisser. Mais vous prenez tout un tas de Gabonais. Oh, Oligui a fait rapatrier un Gabonais parce qu'il voulait Paul Biya, Oligui Équateur, et Oligui, c'est ça. Mais vous n'allez, on va maintenant dire que quoi? Ali Bongo était Nigérien. Et pourtant, vous connaissez la mère d'Oligui. Vous connaissez le père d'Oligui. Vous les connaissez, non? Ma fille, elle est née ici. Moi, je suis gabonaise.
Si ma fille fait les enfants sont nés ici parce que moi je suis gabonais. On ne va plus compter que moi je suis dedans. On va maintenant compter que leurs enfants sont les 100%. L'affaire d'amener le tribaliste, même si tu veux parler, même si tu veux insulter Oligui, c'est un président, c'est un homme public, tu peux l'insulter. Mais pas les trucs positifs, pas les trucs que tu vas crier, tu vas devenir président, ce que tu vas faire. Tu vas toujours, et les Gabonais aiment ça. Ils aiment les cliquets, ils aiment Oligui a dit que Oligui a tué quelqu'un, Oligui a fait ça, Oligui a fait ça. Un petit Gabonais est venu t'insulter hier que tu es Congolais. Mais moi depuis, je sais que tu es de père Congolais. Parce qu'il n'y a pas les Moulinde au Gabon. Tu dis tu es ici, mais si. Mais si peut-être parce que tu as grandi le village, que tu as grandi ta maman, et tu as grandi là-bas, que tu as pris le nom de Messie. Mais ce n'est pas ça la politique. Venu dire que Oligui est Kwato, son père est quoi, le frère de Biangama. C'est pas ça la politique. Parle de ce que tu vas faire. Parle de ce qu'Oligui fait que tu n'aimes pas dans la politique. Venir parler de ces femmes. On te connaît, toi. Quelle femme, même moi, tu as dit que moi, je voulais sortir sur la tombe de mon enfant, Moulinda. Je veux que tu cites mon nom dans ta vidéo. C'est là où je vais sortir les voiles. Ce n'est pas les gonflants que tu amènes, les back-up que tu appelles qui viennent, je vais répondre à la fin. Tu penses qu'en tant que femme, toi, tu vas venir dire un homme, tu vas venir dire les mamans des enfants que occupez-vous de vos enfants pendant que Moulinda est en train de bavarder au Facebook, il est incapable de garder ses enfants. Moulinda est incapable de garder ses enfants. Toi, tu vas venir au lit de conseil à Moulinda que ça, ce n'est pas bien. Même si tu es venu, il y a les petits boulots ici. Cherche un boulot, fais les boulots, que prends des informations de gauche à droite. On a dit, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il a toujours le nom quelqu'un. Dis le nom de la personne, quelqu'un qui travaille dans la compagnie, qui est venu me dire que même s'il parle, il développe les choses de sa manière. Même s'il parle avec les gens, parce que c'est lui qui cherche. J'espère que ton téléphone là, elle est à l'écoute. Tu penses que WhatsApp, on peut mettre l'écoute sur WhatsApp. Passer la vie à dénigrer les autres. Passer la vie à mettre les autres sales. Éclaircis toi-même. Regarde toi-même, Moulinda. Regarde toi-même. Regarde quand tu pars t'asseoir. À part le dehors d'un Kwanja que tu fais, le maquillage que tu fais. C'est ton choix. Mais tu mets même les make-up, les poudres, pour devenir clair quand tu viens faire la vidéo. Tu te prépares pour venir faire la vidéo. Un père d'enfant. Tes enfants vont voir quoi. Tu viens dénigrer Oligui. Tu viens insulter Oligui. Toutes tes vidéos, Oligui, ceci, Oligui, cela. Ceux qui défendent Oligui, ils sont payés. Moi, je suis payé, puis je suis dans les problèmes. Et pourtant, tu m'insultes les dents. Si ce n'est pas Oligui, c'est Lorando. Oh, elle est comme ça. Elle est camerounaise. C'est tout ce que tu peux dire. Tu ne parles rien de positif. Et les Gabonais, c'est un Gabonais. Ils aiment les trucs comme ça. Je vois les papas. Les gens qui ont les pipis, ils vont sur les lignes de Moulinda. Écoutez les bêtises, la zizanie, le tribalisme. Tu vas quand même sortir, même si tu es fâché avec Onaï Sandji. Vous allez quand même insulter son infirmité. Mais c'est méchant. C'est méchant. Pour toi, Moulinda, tu es méchant. Si c'est toi qui insultes ma denture, hein, mais tu es méchant. Les gens qui sont derrière toi, là, qui suivent tes vidéos, parce que moi, j'ai compté qu'à partir de maintenant, là, suivent les vidéos de Moulinda. Même la femme là que tu as collée pour backup. Moi, je suis seule, je suis une femme. Tu n'as jamais vu quelqu'un venir au Facebook me défendre. Si c'est ça, là, je peux appeler mon backup. Mais je ne fais pas ça. Moi-même, je suis capable de te tenir et tenir la femme que tu as, qui est venue m'insulter, qui est venue raconter n'importe quoi. Qui est venue raconter une femme qui a les cheveux blancs sur comment on appelle, les soucis. Elle est venue, moi, je suis sa grande soeur. Il faut même dire que je suis ta maman. C'est un gars. On va créer le Gabon comme ça. On va développer le Gabon comme ça avec la haine qui est entre nous, tel les Kwato, tel les machins. Tout le monde vient de quelque part. Même les gens qui sont ici, celui qui s'appelle Trump, qui va devenir président. Ses parents viennent de quelque part. Beaucoup de blancs sont ici, sont des Égyptiens. Ils viennent, leurs parents viennent de l'Égypte, ils viennent de là-bas. Mais ils ont une force que tu ne peux pas savoir, les républicains. Vous pensez que vous allez supporter Moulinda. Comme vous dites que moi je supporte Oligui, Oligui me paye. Ok, moi je vais supporter Moulinda pour écouter quoi? Pour écouter qu'Oligui a baisé telle femme. Il a plus de 20 femmes dans la France, au Gabon. C'est les deux qu'on reconnaît, c'est les deux là. Ça c'est la politique. Ça, c'est ce que vous voulez écouter? Que notre argent. L'argent, il faut faire ton métier. Le métier que tu peux utiliser, c'est en France.
Tu peux utiliser ça en France, là où tu es en Belgique ou là où tu te caches. Toujours les gens veulent te tuer. Jusqu'à tu as dit que Laurent doit partir demander ton adresse. Un Laurent que je connais. Laurent doit aller demander ton adresse pour chercher quoi. Laurent a un mari qui est un homme comme toi. Tu as déjà vu le mari de Laurent se rabaisser pour te répondre. Parce qu'on dit que le chien aboie, la caravane passe. Tu racontes n'importe quoi. Tu racontes parce que toi, tu dis qu'Oligui, avec l'appétit d'argent, il volait l'argent de Omar Bongo. Tu étais là. Tu racontes tout ça là pour que les gens détestent Oligui. C'est ça que tu racontes. Tu racontes des choses pour que les gens détestent Oligui. Tu n'es pas fatigué, Moulinda. Si tu as des enfants, tes enfants ont déjà fait peut-être d'enfants parce que les enfants d'aujourd'hui sont les enfants tôt. Tu es déjà peut-être un grand-père comme tu es là, au lieu de devenir petit-petit. Moi, je suis grand-mère. Je ne nie pas. Et je suis fière d'être grand-mère. Mais toi, tu es parti enfant plus de 10 ans. C'est toujours faire les vidéos. Tu insultes même les camarades des gens. Tu penses que j'ai d'abord besoin du matériel? Pendant que mes petits frères souffrent au Gabon, mes frères et sœurs, il faut les aider de temps en temps. Toi, tu es incapable de garder tes enfants. C'est président de la République. Tu vas venir garder qui? Tu cherches de l'argent. Ce qui te fait mal parce qu'Oligui ne t'a pas nommé. Quand tu assures les gens qu'Oligui a nommé, ça t'a fait mal. C'est ça qui te fait mal jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui te fait mal. Tu ne vas pas faire les vidéos tous les jours, Oligui. Quel est le projet quand tu vas devenir président? C'est de s'occuper des femmes d'Oligui. C'est de s'occuper des avions qu'Oligui achète. Plein d'études qui font que quand on va écouter, on va savoir que tu peux être président de la République. Mais tu ne parles rien. Seulement Oligui est parti voler, Oligui est parti faire ça, Oligui a voyagé, Oligui est venu ici, il a dit ça. Tu ne sais même pas que là où tu es là, quand tu vas continuer à embêter Oligui, les Français eux-mêmes peuvent te chasser du territoire où les Belgiques, en Belgique. Parce qu'on va voir que finalement tu es un homme à problème. Tu te bats avec les femmes, tu insultes tout le monde qui est à ton chemin. Moi, personnellement, tu t'es provoqué quand? Est-ce que je t'ai provoqué? Je t'ai pas provoqué, monsieur le journaliste de mon papa Mambo. Journaliste comme ta maman est venue dire, journaliste d'invérification. Tu fais une vérification où? En faisant les vidéos, toi tu te dis tu es fort. Tu n'es pas fort, Moulinda. Tu n'es pas fort, mon petit. Jésus est plus fort. Jésus est plus fort. Tu comprends? Moi, quand je pense à Jésus, je suis happy. Et pour ça, je vais te chanter. Je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'allégeance, car Yahweh m'a libéré, oh, mon papa est fidèle, car il ne m'abandonnerait jamais. Tu comprends? Mon papa ne m'abandonnerait jamais. L'être humain peut m'abandonner, mais pas Jésus. Il y a d'autres activistes qui sont avec toi, qui trouvent le plaisir de venir parler de la mort de mon enfant. Le veuvaille parle, pourquoi je ne parle pas. Mon fils est mort depuis. Je ne pleure plus pour lui. Parce qu'il m'a dit, maman, il faut être happy. À l'église, on m'a dit, le pasteur m'a dit, regarde-moi, mon pasteur, c'est Nigérien. Regarde-moi, sa femme m'a payé les études. Travaille à l'hôpital, c'est la femme, c'est pas les Gabonais. J'ai les Gabonais qui m'ont aidé, qui sont là. Quand j'étais dans les problèmes, quand la fille amenait les petits, j'ai perdu tout. Il y a Vérène, il y a Max Ivago, il y a d'autres personnes qui sont là, Ingrid, tout ça là. Pas les autres qui ont dit que, oh, nous on ne parle pas. D'autres qui m'ont pris pour une mauvaise personne. Il y a aussi Joël Lacruche.
avec sa femme. Ce sont mes gens. Je ne suis pas handicapé ici. J'ai des gens. Je suis dehors. Si je pars chez la cruche, je n'ai pas besoin de Joël. Je n'ai pas besoin de rester dehors. Je cogne la porte. Ils m'ont dit, Béa, les chambres sont pleines. Si tu veux, viens ici. Et c'est des gens dignes. Joël et maman Jeannette. Joël. Un homme digne, un homme que je respecte. Il est métisse comme ça. Je pense à mère et Bapounou, mais son père, c'est la cruche. Parce qu'il y a deux la cruche ici. Le petit la cruche, ça, c'est les gens de la cruche qui payent la cruche à payer les maisons. Mais la cruche, à lui, n'est pas dedans. Avec sa femme. C'est des gens. Tout ce que les gens peuvent dire, Béa ceci, Béa voleur, Béa ceci. Mais la cruche ne peut pas me chasser de chez lui. Joël et maman Jeannette. Ce sont mes gens de cœur. Ils vont dire, ils vont aller dire à ma copine, elle va te faire la vidéo. Je deviens folle, faire la vidéo à n'importe qui. Ah, c'est les hommes gabonais. Ils te détruisent. Comme tu ne sais pas. Comme vous voyez Moulinda là. Qu'est-ce que j'ai fait Moulinda? Avant qu'il m'insulte mes dents. Lui là, le dentier. Quand il rit, tu vois même les fers du dentier. Il dit, il est parfait. Tu n'es pas parfait, tu n'as rien. Parce que quand tu vas mourir là, tu ne vas pas amener les choses là. Je ne te souhaite pas la mort, nous tous on va mourir. Hein? Ceux qui viennent là, tu ne connais pas mon enfant. Mais tu viens. Que vous voulez me faire mal, tu vas venir parler de la mort de mon enfant. Mais moi, je ris. Parce que mon enfant, au moins, il se repose en paix. Nous-mêmes, on ne sait pas comment on va mourir. Tu ne sais pas comment tu vas mourir. Un menteur d'appétit de comme Moulinda. Il part prendre le serpent, qu'on paye machin là. Il vient tuer dans la maison, on m'a envoyé le serpent. Un menteur comme ça là. Il part faire la voile, il part dire a fait l'accident, il y a eu des morts, on vérifie, c'est faux. C'est quelqu'un comme ça là que vous allez partir applaudir parce que vous aimez écouter que le mal. Vous aimez écouter parce qu'on est pauvre. Si on est pauvre, c'est parce qu'Ali Bongo, c'est parce que Oligui. Oligui a tué, Oligui a fait ça. Mais respecte quand même les gens. Si tu as raté ta vie, quand même va travailler pour t'occuper de tes enfants. Au lieu de dire moi. Toi, tu es qui? Tu es Jésus? Tu es Dieu? Tu crées un parti politique pour recevoir des aides. Toi, avec ton appétit d'argent, ton amitié là. Je me rappelle, quand tu m'avais chanté l'anniversaire un jour, j'ai même oublié. Je t'avais promis 100 dollars. Je n'ai pas envoyé, j'ai oublié. Je venais de me rappeler que comment quelqu'un que tu as supporté hier, tu lui as rien fait, il devient aigri comme ça là. Je me suis rappelé, c'est là où j'ai compris que il est parti parler là où il parle. Tellement il parle, Moulinda ne peut pas se marier à une Gabonaise. Il est parti parler quelque part. Oh, la femme là, elle m'avait promis 100 dollars. Je l'avais chanté à l'anniversaire. Elle n'a rien envoyé, une menteuse comme ça là. Donc c'est à cause de 100 dollars que tu viens faire ta vidéo. Me lancer les paraboles dedans. Les gens disent que oh, tu fais les vidéos, les gens qui supportent Oligui parce qu'on les envoie l'argent. Mais vous êtes malade. Allez regarder pour aller vérifier. MoneyGram, MoneyGram, MoneyGram. Oh c'est non. Allez demander. Si Oligui m'a déjà envoyé l'argent un jour. Tu ne vois pas la grande team qui était à Washington? Ils ont dit, on est déjà vieux, tout le temps, on passe à soi à l'envers parce qu'ils voulaient enlever Ali Bongo. Et c'est ce que nous tous on faisait, Ali Bongo quitter. Soutenez maintenant votre frère. Regarde comment on a Jim Oligui. Ce n'est pas les gens d'ailleurs, les Gabonais, c'est comme ça on est. Vous avez vu quand Ali Bongo était au pouvoir. Même sans Ali Bongo. Quand Nourdine et Sylvia Bongo dirigeaient le Gabon, vous avez vu tous ces gens-là qui sortent pour insulter Ali Bongo.
Tout le monde était dans les paupières parce qu'ils avaient peur. Mais les militaires sont au pouvoir. Pourquoi vous ne prenez pas les choses en main? Des gens qui racontent n'importe quoi là. Tout le monde sort maintenant, insulter, raconter n'importe quoi. Alors que ce que les gens ne faisaient pas avant. Tout le monde aujourd'hui qui insulte Ali Bongo, il pouvait aller au Gabon tout le temps, les va-et-vient. Il y a d'autres qui torchaient même. Ils voulaient rentrer dans le pouvoir d'Ali Bongo. Ceux qui font des vidéos là, d'intelligence, des diplômes là. Je suis tel, je suis tel. Quand quelqu'un va venir me dire que moi je préfère supporter Billy Binze. Mais tu es bête. Billy Binze, c'est seulement tchatché. Billy Binze a fait quelle étude? Quelqu'un qui a habillé les recteurs d'université, première année d'université, il a fini ses cours, il a fini son école. Même mon enfant qui est là, il a fait l'école plus que Billy Binze. C'est pour vous dire que vous qui partez sur Moulinda là, les bêtises qu'il raconte, moi je ne le suis plus parce qu'il divague, il parle des choses. Il talk about the stop, it no make sense. Il ne talk about politique, il ne parle pas de la politique. Coligui a payé le pantalon, Oligui ne peut même plus. Il est là, il suivait ça à l'œil nu. Jusqu'à il a fait tuer l'homme de la douane de Lucédoc là. Je joue que l'homme là, avec son appétit d'argent, Moulinda aime l'argent comme tout. Parce que ma soeur Lorando, elle a commencé, elle est camerounaise, elle est ceci. Moi, je vais aller demander le travail à une camerounaise. Je vais aller demander le travail à une camerounaise. Lorando, lui, elle ne rentre pas dans les porte-porteurs comme Moulinda. Elle n'est pas dans les porte-porteurs là où on triquite les gens. Elle avance. Elle élève ses enfants avec son mari. Toi, tu es là-bas. Tu n'es même pas marié. Tu ne gardes même pas tes enfants. Tu n'as pas une maison au Gabon. Tu n'as rien. Mais c'est pour venir raconter. Les Gabonais viennent comme des mouches, suivre les bêtises, les détractions, parler des trucs pour haïr les autres, pour manquer de respect à monsieur le président qui nous a enlevé le grand Eboubou, qui nous faisait du mal. L'argent que Sylvia Bongo faisait avec notre argent, allait payer les bijoux chers, payer les maisons. Tu sais combien de maisons Sylvia Bongo en France? Si c'est ça, on t'a montré la fille la plus riche, la fille d'Obama. Elle a son hélicoptère. Quand le père n'était pas président, est-ce qu'elle pouvait avoir ça? Elle a son hélicoptère. Il faut voir comment elle s'habille, la première fille d'Obama. Quand son père n'était pas président, elle avait l'hélicoptère, elle a l'avion, le jet privé. La fille d'Obama. Tous les enfants de Trump, ils ont eu l'argent là-haut. On va dire qu'ils avaient d'abord les choses avant ça. C'est parce qu'ils sont deux pays. Donc tous les Américains vont dire que oui, on sait voir l'argent. Comme tu es là, Oligui a acheté l'avion, Oligui a fait ça. On est un pays riche. Ce qu'on demande Oligui, c'est comme lui-même il est venu dire ça. La politique, ce n'est pas les trucs des amis. Quand tu prends la tête d'un pays pour gouverner le pays, fais des choses positives, crée les emplois. C'est ce qu'on a besoin. Il ne faut pas prendre les petits Warawara, les pays africains là, amener, ils vont venir construire. Eux-mêmes, ils sont pauvres. Tu vas prendre le Burkinabé pour venir construire les maisons au Gabon. Eux-mêmes, ils sont pauvres. Prends les gens, les Américains qui sont ici, qui sont dans le marché. Quand tu viens, si tu vois les gens, tu veux les gens pour venir investir au Gabon et créer les emplois. Tu leur demandes comment je peux faire pour amener les emplois. Tu ne vas pas aller au Burkina. Tu ne vas pas aller dans les pays africains, au Cameroun. Les Camerounais sont reconnus ici là en tant que des grands voleurs. Les Camerounais sont reconnus ici en tant que les grands voleurs. Tu ne vas pas partir dans les pays où qui sont pauvres comme nous pour venir travailler au Gabon, les Burkinabés. Hein? Il y a même un problème qui m'énerve avec ces Burkinabés. Il y a un Burkinabé qui est au Gabon. C'est une affaire, je ne peux pas parler ça parce que je suis à l'étranger ici aux États-Unis. Mais c'est une affaire quand je reste sur place. Un Burkinabé a kidnappé
Mon petit-fils, l'enfant de ma soeur, a fait l'enfant avec lui. Il a fait deux. Il a pris un. Il n'a pas marié un. Ma nièce. Il n'a rien fait, ni construit la maison. Il prend l'enfant cadeau. Il lui amène au Burkina pour aller élever le mouton. Mais moi, quand je vais mettre les pieds au Gabon, le Burkinabé là qui, il a laissé ma nièce, il est parti chercher une Burkinabé, une petite fille. Il prend les enfants là-bas, il fait les gâteaux pour aller construire dans son pays. Mais ma soeur s'ouvre avec, la fille, ils ont eu deux enfants. Ils ne donnent rien à ma fille. Mais ils s'en réussissent au Gabon, faire les gâteaux et amener au Burkina. Et il a pris mon neveu. Je vais récupérer cet enfant-là. Inch'Allah. Même si ça me prend du temps, je vais récupérer mon neveu. Parce que le jour que je mets les pieds au Gabon, je vais amener ma nièce de m'accompagner chez l'homme-là. Et qu'il me fasse venir l'enfant. Et c'est des gens comme ça-là qui vont devenir les entrepreneurs au Gabon. Prends les vrais gens. Il y a l'Angleterre. Tu es président, prends des vrais gens pour développer le pays. Le problème du Gabon, c'est qu'il faut créer les emplois. Il n'y a pas d'emploi. Tous les petits emplois que les Gabonais, puisque Omar Bongo nous a appris que l'homme gabonais ne sait pas débrousser, parce que lui se croit grand. L'homme gabonais ne sait pas planter, parce qu'on se croit grand. C'est les Ghanéens qui viennent pour planter les aubergines, et nous on va payer. Sans boulot. Ici, là, aux États-Unis, ils ont combien de points payés? Ils payent chaque semaine. Chaque semaine, tu peux avoir $600. Si tu es payé par $200, tu peux avoir $2000 et plus. C'est ce qu'on demande au Ligue. C'est ce que moi, je demande au Ligue. Le reste, il a payé la bio, il a payé la voiture, il est Camerounais, il est Équateur, il est Congolais. C'est pareil. Dans le pays, là, si on me disait que moi, je suis étranger, qu'est-ce que je vais dire? C'est ça le développement d'un pays. Parce que quelqu'un amène ces trucs pour faire. Mais Moulinda est là. C'est insulté matin, midi, soir. Jusqu'à je vois les Gabonais. Tu es payé par Moulinda. Matin, midi, soir, Moulinda. Mais oui, matin, midi, soir, c'est Oligui. Comme pour lui. Matin, midi, soir, c'est Laurando. J'attends le jour qu'il va encore citer Laurando. Il y a deux choses. Il parle de moi dans cette vidéo. C'est lui que j'attends pour mettre les audios. Comme il parle de Claire Newman. Comme il m'avait dragué. Je l'avais bien enregistré. J'attends qu'il parle de mon nom ou il parle encore de Laurando. Parce que Moulinda pense que l'affaire de Bandi serait de la Bandi. Moulinda est trop sauvage. Il est impoli. Il va mal mourir. C'est moi qui te le dis. Si c'est moi que tu es venu insulter les dents, et ta femme, ta maman qui est là-bas, qui est gonflée comme quoi, on sent même qu'elle est malade, elle aussi elle vient et parle de la mort de mon enfant. Mais vous avez des problèmes. Pas de la politique au lieu de chercher la vie des gens. Pas de la politique, monsieur Moulinda. Tu es un journaliste de vérification, un journaliste de baiser. Ne le passez pas quelqu'un à fréquenter. Quand il n'a pas d'intérêt, il ne trouve pas l'argent avec toi. C'est Oligui qui vous a envoyé en exil. Vous-même, vous voulez rester à l'exil. Il a bien dit clair. Oligui, qui vous fait ça pour pitié? Parce que moi, à la place d'Oligui, je devais lui dire que tous ces gens-là, qui l'insultent là. C'est un petit problème pour lui. Je vous dis bien, c'est un petit problème pour Oligui. Vous pensez que tu es là-bas, tu es enfant, tu es caché. Mais les Français savent là où tu es. Si quelque chose t'arrive là, comme j'ai vu tes dents, si quelque chose est arrivé à Moulinda, c'est toi. Quand Moulinda lui suit les noms des gens, il a fait peut-être le plus combien de temps? Il parle de Laurando. Et c'était Laurando. Moi, je vous avais dit, vous ne m'écoutez pas. Quand je vous dis quelque chose, moi, j'ai l'information. Tu as quoi? C'est toi, Dieu? Mon petit. Tu es un bébé pour moi. Moi, tu es un bébé. Pour moi, tu es un bébé, Moulinda. Tu n'es rien. Tu es un bébé. Les gens qui viennent te prendre la part là pour venir me manquer de respect.
La maman, là, moi, je ne suis même pas tes vidéos. Je n'ai jamais même suivi une de ses vidéos jusqu'à la fin. J'ai suivi ça une seule fois quand elle est partie habiter, quoi, habillée comme un ancien combattant. Moi, je ne la suis pas. Jamais. Elle raconte ces trucs là-bas, ça passe comme l'eau. Hein? Linda, c'est un menteur. C'est un menteur. Tu joues les trucs. Quelqu'un qui a appris, c'est que le compte, tu sais que tu as appris dans quelle université tu as appris. Donne des diplômes. Toi qui parles bien couramment le français, tu travailles dans quelle boîte? C'est ce qu'on veut savoir. Tu travailles où? Ton université où tu as eu les diplômes, c'est où? Au lieu de manger les bons sandwichs de la France, c'est pour venir embêter les Gabonais. Les Gabonais qui te suivent sont comme toi. On n'a pas dit qu'on lit. Si j'avais les problèmes, il y avait mes problèmes là. Je pourrais avoir les problèmes si je parlais avec Olivier. Ce n'est pas les gens comme Lengourou Camille qui m'ont aidé ici. Ngoulou Camille, que tu oses maintenant citer dans tes vidéos là. C'est mon propre frère. Ah, c'est mon parent. Je comprends ce qui s'est passé, mais je ne veux pas qu'il s'allie avec les gens comme toi dans le pota-pota. Parce que rentrer avec Moulouine, tu rentres dans le pota-pota, dans la boue. Il ne va rien dire que les triquites. Je connais Oligui, elle me connaît bien Ngoulou Camille, il n'aime pas les trucs, il n'aime pas les blablabla. Il n'est pas dedans. Il a toujours aidé les gens. Ah, mon enfant est mort là. Il était là. Ma cité. C'est ça. Donc, je vais dire, ceux qui vont écouter Moulinda, allez écouter les bêtises. Allez écouter les bêtises. Il ne va pas vous dire que j'ai un projet. Toujours les gens m'ont appelé. Ils m'ont dit que tu es devenu quoi? Tu es devenu l'avocat défenseur ou tu es devenu quoi? Que les gens vont t'appeler pour donner les informations. Oh, ils m'ont appelé. Laurent au consul Kango, j'ai vu l'école. J'ai vu. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Laurent conçu à Kango. Kango serait maintenant une petite ville dans son village. C'est le village de Lorando. Son père enterré là-bas à Kango. S'il pouvait encore voir sa fille chérie, comment elle progresse, il devait être content. Mais je sais qu'au pays de la mort là-bas, si les gens se voient, il est content. Pas les gens qui amènent la zizanie, Olivier Camerounais, Olivier Machin. Il est parti voir Paul Biya. On a arrêté un activiste. Il faisait quoi au Gabon? C'est pas ce sont que les amis de Salan Gwabou, amis de Salan Gwabou, qui ont empoisonné Mbobam. Ceux qui font les faux trucs au Gabon, c'était lui. Si on lui fait rentrer, vous venez pisser sur le t-shirt du président, vous venez pisser sur sa photo, vous avez des problèmes. Il faut qu'il arrête les trucs de groupe d'animation là. Il faut qu'il développe le pays pour que les gens travaillent. C'est ça qu'il s'agit. Je reviens plus tard. Je ne veux pas que Moulinda me cite dans ces bêtises. Il me manque de respect. Les gens viennent dire, hey, si quelque chose arrive à Moulinda. Si quelque chose arrive à Moulinda, moi je vais tuer Moulinda pour chercher quoi. Ça c'est pour amener la malchance. C'est moi qui vais le tuer. Lui-même il se fait tuer. Parce que sa gueule là, c'est la bouche. La bouche qu'il a là, c'est ce qui va lui tuer lui-même. Il a trop la bouche, il manque beaucoup de gens de respect. Toutes les femmes qu'il a fait les enfants, ils sont fâchés. Pourquoi? Quand tu pars coucher une femme, tu lui gondines, tu fais l'enfant, tu veux que la femme s'occupe de l'enfant. Et tu trouves que tu es fier, tu dois quand même venir parler devant les gens, manquer les gens de respect. Oh, il ne travaille pas. Oh, moi j'ai fait ça. Oh, moi ceci. Et vous avez des problèmes. Supporter un chien comme Moulinda. Vraiment. Je lui ai supporté une fois. Est-ce qu'il a... Il a apprécié quand je lui supportais. Il n'a pas manqué de respect à venir me dire que je suis sans dents. Il espère qu'Oligui va me reparer les dents. Tu es malade, Moulinda.
va reparer d'abord tes vieilles dentures que tu as là-bas. Le président de... Hey, ton directeur de l'Union t'avait cassé la gueule. J'attends seulement l'audio que Messire va te casser la gueule. C'est ce que j'attends. Tu as trop la boue, tu as trop fait du mal aux gens. Tu mens n'importe qui de respect. Et quand on parle de ça, tes chihuahuas qui sont derrière toi, ils viennent manquer les gens de respect. Les petits chihuahuas qui sont avec toi. N'importe quoi. C'était la femme rebelle, je reviens après. J'attends que Moulinda cite mon nom pour mettre les audios. C'est un malade mental.